Alors c'est le troisième roman de Vincent Joly, et après la littérature et la musique, et ben, il va être question de danse. Donc ce roman s'intitule « Un ours qui danse ». Et en revanche, il s'écarte du genre qu'il avait adopté dans ses deux premiers romans, qui était un peu le roman biographique, la biographie romancée, puisque là, il prend trois personnages qu'il imagine, trois personnages qui ont en commun la danse et plein d'autres choses, mais trois personnages qui en fait correspondent un peu à trois étapes de la danse moderne, puisqu'on a Fiodor, qui naît à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle, dans une famille qui travaille dans un cirque, et qui va, lui, se prendre de passion pour la danse et rejoindre les ballets russes de Diaghilev et connaître voilà, cette aventure-là avec Nijinsky et le Sacre du Printemps à Paris. Il y a un deuxième personnage qui est Franz, qui est allemand, comme Pina Bausch, qui, comme elle, va apprendre la danse à Essen et poursuivre à New York, où il connaîtra un peu les expérimentations de Merce Cunningham et cette dissidence du New York des années 60. Et puis on a un troisième personnage, Françoise, et là pour la première fois Vincent Joly dit je pour nous raconter cette veuve de 58 ans qui va suivre sur les conseils d'une de ses collègues l'idée un peu saugrenue d'aller participer à un atelier de danse contemporaine. Alors pourquoi une idée saugrenue? Parce que cette Françoise, elle a un pied mal fichu depuis toujours, et donc elle pense que la danse c'est pas du tout pour elle, et les pouvoirs de la littérature permettent que Vincent Joly emprunte ses mots et sa peau pour arpenter Toulon, donc sa ville. Donc on a quand même cette dimension très personnelle pour la première fois, pour montrer, parce que c'est le grand point commun de ces trois personnages qui, donc vous l'avez dit, ne se croiseront pas, hein, puisqu'ils sont séparés dans le temps comme dans l'espace. Mais qui ont en commun d'être des âmes et des corps blessés et qui trouvent dans la danse un moyen de rencontrer les autres, de se rencontrer soi et de se réconcilier. Il y a un autre point commun à ces trois histoires, donc c'est des chapitres alternés, hein, on passe des pirouettes de Fiodor aux postures de Franz et aux pas hésitants de Françoise, mais il y a un motif qui revient, et ça Vincent Joly ne l'avait pas vu, c'est le motif de l'ours qui danse. Or cet ours qui danse, moi ça m'a rappelé une phrase très célèbre d'Aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal, qui est un homme qui crie « ce n'est pas un ours qui danse ». Et c'est une phrase qui s'inscrit à un moment où Aimé Césaire appelle à ne pas rester spectateur devant les douleurs du monde. Et le roman de Vincent Joly, je crois que c'est un livre qui, justement, ne crie pas les douleurs des trois personnages, ne crie pas les douleurs de cette humanité combative que chacun des trois protagonistes incarne, mais qui les danse et qui nous offre, donc avec cette saga très romanesque, puisqu'on va de Saint-Pétersbourg à New York, en passant par l'Allemagne, Toulon, jusqu'à un port breton, et qui nous offre un grand roman de résistance, qui, je crois, est utile dans un monde un peu résigné.